Comme à chaque festival de Cannes, certaines célébrités présentes sur le tapis rouge font face à quelques ratés. Et les nombreux photographes installés sur les marches sont souvent témoins de scènes étonnantes. Cette 71e édition n'y a pas échappé. Plusieurs chutes, des soucis de bijoux à l'image de Marion Cotillard, qui a perdu sa boucle d'oreille, des montées des marches pieds nus, comme Kristen Stewart, mais aussi des problèmes de robe, ont d'ores et déjà été immortalisés. C'est le cas par exemple de Petra Nankova, invitée à la projection du film Black Lamb signé Spike Lee. Lundi 14 mai, la belle animatrice télé d'origine tchèque a vécu un petit moment de solitude. Vêtue d'une magnifique robe blanche signée André Acosta et composée de tissu bio, Petra Nankova n'a pas pu cacher sa culotte couleur nude après un léger coup de vent sur la croisette, et ce, malgré sa pochette assortie. Aux côtés du mannequin brésilien Alessandra Ambrosio, la belle est toutefois restée très souriante. Elle portait aussi des escarpins Giuseppe Zanotti et des bijoux signés Chopard. Ce n'est pas la première fois que Petra Nankova laisse entrevoir une partie de son anatomie. Dimanche 13 mai, elle est apparue moulée dans une robe signée Ronald Van Der Kamp pour le dîner caritatif Fashion Fort Relief aux côtés de Carla Bruni Sarkozy, Bella Hadid et Kendall Jenner. Crédit photo, Cipa Press.